Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Elga. Elga qui m'a posé une question sur le site crudivorisme.com. C'est un site qui porte sur l'alimentation crue et vivante, frugivorisme, etc. C'est vraiment un site de référence francophone. Pour une fois, on a des informations francophones disponibles au lieu de toujours aller chercher des informations en anglais. Ça fait changement. Je vous invite vraiment à aller sur ce site-là. Ci-dessous, je vais vous laisser le lien vers l'article qui s'intitule « Principes de base de l'alimentation vivante ». Et vous allez bien sûr avoir accès comme ça à tout le site de crudivorisme.com. Je reviens avec la question d'Elga. Elle me demande, je me demande si on a le droit de manger des pommes de terre crues. J'aime beaucoup les pommes de terre et ça serait très dur pour moi si c'était déconseillé en alimentation crue. Tout dépend de vos objectifs, ma chère Elga. Je vais vous parler des pommes de terre en particulier parce que, comme d'habitude, comme dans tout aliment ou presque, il y a du bon et du moins bon versus alimentation cuite versus alimentation crue. Okay? Les patates, d'abord, je les recommande bio en toute occasion. Dans les sols, comment je pourrais dire, dans les sols normaux qui ne sont pas biologiques, on retrouve une tonne de fongicides extrêmement toxiques pour notre santé, des pesticides, tout ce qui est tubercule, hein, n'est-ce pas, qu'on mange qui n'est pas bio. Les sols sont vraiment maltraités. Alors, et comme c'est un tubercule, ben ça accumule peut-être plus de pesticides et de fongicides, etc., qu'on ingère après, ce qui peut occasionner des problèmes de digestion, sans parler des problèmes de santé associés à ça. Donc, bio. Ce que je voudrais dire sur les pommes de terre, même avant cuisson, si la patate est abîmée, si elle a été exposée au soleil ou si elle est rangée depuis trop longtemps dans un tiroir ou dans le frigo ou quoi que ce soit, elle va donc germer, hein, si elle est là depuis trop longtemps. Et si elle est exposée au soleil trop rapidement, elle va développer des plaques vertes. On a tendance dans notre société à se dire « Ah, c'est vert, c'est de la chlorophylle, ça va être bon pour notre santé ». Oui, c'est de la chlorophylle, mais la patate, lorsqu'elle devient avec des plaques vertes, c'est qu'elle a développé en même temps un alcaloïde très toxique, ça s'appelle la solanine, et c'est déconseillé de manger ces pommes de terre-là, même si vous les pelez dans la patate, l'alcaloïde s'est comme développé, ok? Si votre patate goûte amère, tout de suite, là, jeter ça, c'est qu'il y a des alcaloïdes toxiques. Ceci dit, c'est pas forcément mortel, n'est-ce pas? Mais vous allez vous retrouver peut-être avec des nausées, vomissements, diarrhées, etc. et d'autres inconvénients digestifs dont on se passe très bien. Ensuite, une fois qu'il y a eu ces plaques vertes, comme je disais, même si vous les pelez, que vous la mangez crue ou cuite, à la cuisson, ça ne part pas. Donc, je déconseille fortement de manger ces patates-là, ok? Là, je vais parler un peu plus de la patate crue. La patate crue, ok, elle est comme certaines noix, elle contient ce qu'on appelle des inhibiteurs d'enzymes. Autrement dit, il y a des substances qui vont aller se fixer, dans ce cas-ci, par exemple, sur une enzyme qui s'appelle la protéase. Et ça va empêcher la protéase de bien aller digérer, n'est-ce pas, ce qui a besoin d'être digéré dans notre corps lorsqu'on mange une patate, dont les amidons et les protéines, etc. Donc, ça ralentit l'activité, voire arrête l'activité de certaines enzymes dont on a besoin pour bien fonctionner. Donc, si on mange des patates crues, pas trop en manger, surtout pas tous les jours, parce que c'est comme dans toute chose, c'est l'équilibre qui compte. Hein? En général, les inhibiteurs d'enzymes sont contenus dans la pelure de la patate. Donc, bien pelée, pas peler un petit peu, peler un petit peu dans la chair, même si vous avez l'impression d'en gaspiller, au moins vous êtes sûr d'avoir enlevé une grosse partie des inhibiteurs d'enzymes. Ensuite, dans la patate crue, il y a de l'amidon qui est appelé amidon résistant, ok? L'amidon résistant, il fermente dans nos intestins, donc on peut s'attendre à avoir des petits problèmes de flatulence ou des gaz intestinaux pas forcément agréables. Ni au niveau d'or, ça ne doit pas être terrible. La bonne nouvelle, par contre, avec cet amidon résistant, ok, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le cas de cancer du côlon, ça avait de très bonnes propriétés. Okay? Ça avait des effets très positifs au niveau du cancer du côlon. Donc,
une recherche à faire là-dessus. La patate crue, l'avantage qu'elle a sur la patate cuite, c'est qu'elle n'a pas un index glycémique très élevé. Quand on mange des patates cuites, l'index glycémique monte très vite. Autrement dit, alors ça peut nous faire vivre des hauts et des bas au niveau de notre glycémie, d'accord? La conclusion que je vous donne sur les patates crues, parce que la question c'est quand même pour en manger crues, c'est de les consommer pelées, pas abîmées, pas de germes et surtout pas de plaques vertes, ok? Et ce que moi je vous conseille en dernier lieu, c'est de couper votre patate, mettons, en 8, ok? Et de la faire tremper et de peut-être vider 2 ou 3 fois l'eau pour être certaine de ne pas avoir trop d'amidon. Pas trop de... Comprenez? Et puis là, peut-être que vous pourrez profiter un peu du goût de la patate crue, mais une fois par semaine, c'est assez. Pas trop souvent, comprenez? C'est comme dans toute chose, c'est l'équilibre. Et ce que je vous répondais par écrit, Helga, en dessous de l'article à votre question, là, sur le site de crudivorisme.com, c'est que c'est une question d'équilibre. Quand on veut manger cru, il y en a très peu de gens qui arrivent à se lancer là-dedans à 100% du jour au lendemain. Et ce que moi, je prône, c'est d'y aller à son rythme, selon les saisons. On s'entend que c'est plus facile de manger 100% cru l'été que l'hiver à moins 30, en tout cas du moins au Québec. Ça se fait, mais moi, ce que je dis, c'est d'y aller progressivement, de se fixer des objectifs et d'y aller tranquillement, pas vite, à son rythme, et surtout arrêter de culpabiliser puis d'entrer en religion en disant « Oh, je dois pas manger ci, oh, je dois manger ça. » Allez-y aussi avec vos besoins, d'accord? Alors, j'espère vous avoir éclairé, Helga, et tous ceux qui m'écoutent et que ça intéresse les patates crues versus les patates cuites. Et je vous invite à venir sur mon site internet, vermanature.com, D-E-R-T, comme la couleur verte. Tourlou, à bientôt.